Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mercredi 26 octobre 2022, toujours dans notre ambiance de sorcière. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Et pour commencer, nous allons faire un petit peu la numérologie. Alors 26, 6 et 2, 8. Le 8 en numérologie, c'est la journée des petits bobos ou des grands bobos. Comme j'aime toujours à dire, par exemple, on se cogne, on a un bleu, on est sur le petit bobo. Mais on tombe, on se casse quelque chose, c'est un petit peu plus grave. Là, on est dans le grand bobo. Au niveau justice, c'est à peu près la même chose, je m'explique. Vous partez au travail, vous avez un contrôle de papier, vous ne les avez pas forcément sur vous. Donc là, on a une petite sanction. Bien. Ensuite, on fait par exemple un stop coulé, un défaut, on va dire, de un feu grillé, des choses que je ne vous conseille pas, bien entendu. Ben là, on est plutôt dans la grande sanction, hein, vous voyez. Alors, dans la sphère professionnelle, il peut y avoir une ascension sociale, une promotion. Mais par contre, ce qui est conseillé, c'est toujours de le faire dans la justesse, dans la justice. Pour vous, parce que sinon, gare au retour de bâton, par exemple. Hein. Alors, dans le domaine sentimental, là, alors, j'entends ma machine sous essorage. Hein, désolé, je la refais pas. Dans le domaine sentimental, là, on est dans la belle rencontre. On est dans la passion, retour aux sensations, amour passionnel, métamorphose également, on va dire amoureuse. Hein. Alors, le côté positif de notre 8, eh ben, on veut être leadership, on est travailleur. On peut soutenir, par exemple, une cause. On est vraiment dans le jugement, là, on brille. Bien entendu, là, c'est côté négatif aussi. Alors, on peut être trop ambitieux, être un peu tyrannique. On peut s'épuiser, en fait, et en devenir stressé. On peut aussi, donc, de ce fait, pas trop se soucier des autres. Ça, c'est un petit peu le côté, on va dire, désagréable du 8. Alors, le mercredi, les amis, associé à Mercure, la communication, la négociation, c'est le moment, justement, peut-être de prendre un rendez-vous professionnel pour négocier votre contrat. On est dans les échanges, dans les entretiens. La couleur associée à notre mercredi, c'est le vert et le multicolore. Alors, les amis, nous allons prendre une carte de la sagesse des sorcières pour voir un petit peu quel message vous avez à recevoir pour notre mercredi 26 octobre 2022. Mercredi 26 octobre 2022. Mercredi 26 octobre 2022. Et nous avons Ostara, incubation. Ostara, fait un petit peu penser, on crée quelque chose qui est en train de germer. Enfin, moi, c'est ce que je peux penser. Alors, que nous dit la sagesse des sorcières? Comme le soleil qui se lève à l'équinoxe du printemps, à Ostara, la promesse de fertilité et de nouveaux commencements s'annonce à l'horizon. Ah, vous voyez, j'étais pas loin. Tout est en place pour concrétiser vos désirs. Mais d'abord, vous devez vous permettre que les choses se déploient naturellement. Les graines plantées ont besoin de temps pour être nourries dans les profondeurs de la terre. Et même si ces plantations commencent à apparaître, il est encore nécessaire de les observer grandir jusqu'à leur plein épanouissement. Aussi, soyez patient en cette période d'incubation. Alors, je pense que vous avez créé quelque chose, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et Ostara vous dit simplement patience. Patience, ça va se faire, ça va arriver, ça va se créer, mais encore un petit peu de patience. La prédiction des sorcières, elle vous dit, ce que tu as désiré va bientôt se produire. Il y a des facteurs sous-jacents qu'il faut prendre en considération avant que les choses s'accomplissent. Un nouveau projet est sur le point de décoller. Vous avez vu, c'est tout à fait incubation,
c'est en train de germer, c'est en train de se faire. Pour votre journée du mercredi, il y a peut-être quelque chose qui est vraiment en train de prendre forme aujourd'hui. C'est un très beau message, les amis. Je la mets là, que vous puissiez la voir. Et on va regarder avec Monsieur le jeu de 32. Quel message pour notre mercredi 26 octobre 2022. Ça va être plus calme, mes amis, ma machine à laver. On finit. J'espère. Allez, mercredi 26 octobre 2022. À la coupe, nous avons un homme. Bon, alors ça peut être votre chéri, un homme qui a du caractère, qui s'habille bien, qui présente bien, qui sait ce qu'il veut. En tout cas, là, ou ça peut être également un homme tout court pour lequel vous avez un rendez-vous, un entretien, quelque chose, un imprévu, face ou avec cet homme. Et c'est une réussite. Les amis, il y a quelque chose de beau qui va se faire avec cet homme concernant un changement. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental aussi, peut-être un rendez-vous avec votre futur chéri ou votre chérie. En tout cas, il y a un grand changement, un grand déplacement lié à l'extérieur de chez vous, lié à l'étranger, un autre département, une autre région, une autre ville, ou bien tout simplement cet homme également porte un uniforme. Voyez comment ça vous parle. Allez, on tire nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Hop. Alors, on les met comme ça, que vous les voyez bien. Voilà. Hop, c'est parti. Au dos, eh ben, nous retrouvons notre événement à l'étranger lié dans une contrée, on va dire, un petit peu plus lointain. En tout cas, un événement qui est lié à l'étranger, un événement qui est lié en dehors de chez vous, va occasionner un petit déplacement et des finances. Peut-être lié en rapport avec les finances. Un petit déplacement, un face-à-face qui concerne la maison et qui va vous stresser. Ce n'est pas forcément négatif, c'est tout simplement que s'il faut se déplacer, discuter. Finances concernant la maison, l'immobilier, un projet de maison comme on a vu tout à l'heure avec Ostara. Quelque chose vous stresse, les amis. Alors, bon, elle nous suit, elle nous poursuit. Les énergies sont bloquées ou retardées depuis à peu près presque une quinzaine de jours maintenant. On espère qu'à un moment donné, quand même, ça va s'ouvrir. Donc là, eh ben voilà. On est bloqué, ou en tout cas, il y a une situation de bloqué. Et vous allez en avoir des nouvelles. Alors, peut-être que vous allez recevoir un mail, un courrier, une lettre, un recommandé. Et ça va vraiment vous contrarier. On voit très bien là qu'au niveau énergie, au niveau message, il y a l'annonce d'une contrariété, d'un blocage. Alors, c'est un homme qui va vous envoyer ce courrier en rapport avec un homme. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein, évidemment, par rapport à votre démarche. Ou bien, alors, c'est pour votre homme, hein, ce retard, ce contretemps, cette, on va dire, pas content, quoi. Bien, donc, ce courrier va bien vous annoncer un contretemps, un retard, décidément. Et c'est directement lié à votre chéri. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez recevoir un courrier d'un homme hein, qui présente bien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un juge, un avocat, un notaire, un agent immobilier. Voilà, quelle que soit la personne avec laquelle vous êtes en démarche, en tout cas. Va vous annoncer qu'il y a un certain contretemps. Ça peut ne pas être méchant, mais vous allez être contrarié. C'est en domaine, en rapport avec votre chéri, en tout cas. Mais ensuite, regardez ça. On a le résultat. Alors, il y a quelque chose qui va se faire, qui est positif, mais peut-être qui était encore retardé au contrat, ou on va dire un contretemps, hein, qui était bloqué, quelque chose par rapport peut-être en papier. On va voir plus loin ce qu'on voit. Mais en tout cas, il y a la réussite. La réussite n'est pas loin. Hein. Alors, c'est pour vous également. Si vous êtes les cheveux clairs, ma consultante, on voit là le couple. Sinon, c'est pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Il y a la réussite de quelque chose. Il y a cet as de trèfle, c'est le triomphe. Hein. Alors, vous avez la réussite également sur vos ennemis.
votre fille, votre meilleure amie ou votre frère, ou votre sœur, pardon, est entourée de gens mauvais. Il y a mauvaise fréquentation autour d'elle, ou bien c'est directement autour de vous, les amis, si vous êtes concernés, bien entendu, mesdames. Je vois aussi qu'elle est collée à votre homme. Donc, peut-être que par rapport autour d'une réussite, vous avez quand même des gens, on va dire, mal intentionnés. Ça peut concerner dans le domaine du travail, ça peut concerner de l'argent, d'ailleurs, une somme d'argent, ou en tout cas votre activité, si ce n'est pas dans le domaine professionnel. Peut-être l'activité, le résultat de votre démarche. Soyez vigilants concernant les finances, concernant le professionnel, concernant tout accord que vous allez passer. Et on voit bien que c'est en rapport avec vos projets. Ça peut être aussi sentimentalement, on va dire, des personnes qui se mettent en travers de votre chemin, tout simplement. Alors, vous allez prendre des nouvelles assez vite de ces gens qui ne sont pas bons. Il y a quand même, autour de votre domaine professionnel, de la jalousie, je pense que ça, vous le savez déjà. Dans vos projets, vous allez être rapidement informé de quelque chose qui bouge en rapport avec un changement. Le changement est là, les amis. La réussite est là, bien qu'on voit un contretemps et un blocage. Ou est-ce que c'était déjà bloqué contretemps et pour moi, ça se termine. En tout cas, on voit bien que votre homme est concerné. Projet avec lui, c'est peut-être vous, si vous êtes concerné. Ça peut être aussi pour un membre de votre famille, quoique là, on ne voit pas, il n'y a pas l'as de cœur, il était en dos. Hein. Donc, je pense que c'est peut-être plutôt une relation. Est-ce qu'elle est mal accompagnée? Est-ce que c'est un couple qui, voilà, qui pose éventuellement ces petites contrariétés sur le domaine financier dans l'activité? Voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, nous avons en roi 2, c'est pas bon, en a, s'il n'y en a qu'un, en 9, 3, 3, 9, et ben là, nous, on y est presque, hein. On y est presque, mais il faut encore persister. Il faut, il y a quelques efforts encore à faire et tout à fait avec l'incubation. Hein. Donc, quelques efforts encore à fournir. 10, eh bien, il y a 3-10. 3-10, le changement est à l'horizon et de toute façon, il est confirmé par ce 10 de carreau qui est là. Le 7, il n'y en a que 2. Valet, bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors, le jeu, il est fluide. Je ne vais pas recouvrir blocage et retard. Franchement, ça ne servirait à rien du tout parce que votre jeu est fluide. On voit bien qu'il y a des retards, des blocages. Peut-être que c'est en rapport avec un couple d'ailleurs dont le conjoint, peut-être que c'est lui qui pose des problèmes. En rapport peut-être d'ailleurs avec cet homme. C'est pour votre chéri. Ça peut être un projet, un changement, effectivement. On voit qu'il est là. De toute façon, ce changement, ce projet. Il y a l'as de trèfle qui, de toute façon, est là. Donc, même s'il y a des contretemps, des blocages, la chose va finir par se débloquer. Ça peut être en relation aussi sentimentale. Hein. Vous avez peut-être une tierce personne au milieu. Voilà, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Alors, si je regroupe, j'ai bien effectivement un homme qui bloque la situation ou qui lui-même est bloqué. On voit bien, en tout cas, qu'il y a une réussite spectaculaire sur vos projets, ou en tout cas dans le domaine sentimental en amour, si c'est tel le cas. Il est question de votre fille, de votre meilleure amie, de votre sœur, ou bien, moi je pense, vous, dans l'activité professionnelle, par rapport à peut-être des demandes que vous avez faites, il y a une femme qui doit bloquer. Il y a un contretemps, en tout cas, par rapport à un changement. Là, on est dans le domaine professionnel pour votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou bien en tout cas une femme autour de vous, au niveau activité professionnelle, il y a un blocage. On voit très bien que par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, recommandées, mail, il y a une contrariété. Ensuite, on voit très bien quelque chose qui va aller assez vite pour votre chéri, en rapport peut-être avec ces nouvelles qui vous contrarient, car en fait, on a un valet de pique autour de ça. Donc, quelque chose peut aller vite par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Mais attention, autour de votre homme de cœur, il y a déjà des gens mal intentionnés. Alors peut-être que là, je vais en mettre une quand même, voir un petit peu qui, si on a un petit peu, hop, c'est retourné. Elle. Bon, c'est un homme. Alors, le valet de pique, c'est toujours plus ou moins un ou plusieurs personnes. Et en général, un homme, si ça peut vous mettre
dans la puce un petit peu à l'oreille. C'est un homme, on va dire la trentaine, 30-35 ans, châtain, aux cheveux bruns. Voilà, vous voyez un peu si ça peut vous aider. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour notre mercredi 26 octobre 2022. Échec, elle a voulu se retourner. Mercredi 26 octobre 2022. 26. Mercredi 26 octobre 2022. On veut prendre de la distance. Il est bien question d'un verdict, d'une décision qui va être prise par rapport à un événement au lointain, déménagement, changement. On prend de la distance par rapport à tout ça. On acte, on signe. Il y a bien de la signature. Oh là là, regardez, c'est beau. Il y en a qui ont des projets quand même. Hein. Donc là, il est bien décidé quelque chose très officiellement, puisqu'on le décide, on le signe d'ailleurs. Enfin, on l'acte en tout cas. Et on prend de la distance, on déménage, on s'en va, voilà. Et on a vu tout à l'heure ce valet de pique. Hein. Bien, il y a quelque chose autour, on vous le reproche. Ou, voilà, il y a quelque chose qui se trame autour de votre décision. Mais c'est votre décision. Allez, nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13. Voilà, hop, hop. Au dos, nous avons vous, ma consultante. Ou une femme autour de vous, proche de vous. Bon, il y a de la jalousie. Est-ce une femme qui est jalouse de vous? Est-ce de la jalousie pour vous, concernant en tout cas vos projets ou votre rencontre sentimentale? Alors, ça vous a à un moment donné enfermé, posé des problèmes. De ce fait, il a fallu en réunir, j'allais dire. Il a fallu se réunir, en discuter. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Je pense qu'il y a de la jalousie autour de votre relation sentimentale, autour de vos projets, émotionnellement, en tout cas vous concernant. Et on peut jalouser aussi l'argent, si vous avez rencontré quelqu'un qui peut-être a de l'argent, ou vous avez des projets, on l'a vu tout à l'heure, avec cette personne. Donc, effectivement, il y a une certaine jalousie autour de vous, ma consultante. Alors, il y a le retour d'une situation, le retour de quelqu'un ou le retour au calme, suivant la situation. Et là, par rapport à ce retour peut-être au calme, ce retour de situation, on va pouvoir s'élever. On prend de la hauteur, on va peut-être même pouvoir partir. En tout cas, effectivement, il y a un retour peut-être vers le passé. Est-ce que... il y a un revirement de situation. Est-ce qu'on n'est pas en train d'observer aussi des événements liés au passé? On cogite, en tout cas, on cogite. C'est peut-être lié, effectivement, à des événements passés. En tout cas, vous cogitez, vous réfléchissez. Et là, voilà, là, on la retrouve. Hein. Donc là, nous avons incubation. Et là, nous avons fécondité. Donc, peut-être que vous cogitez à recréer quelque chose de nouveau. Vous cogitez par rapport à un projet, quelque chose que vous mettez en place. C'est peut-être aussi ce boomerang, c'est des idées, enfin, peut-être des événements, des choses vécues du passé qui reviennent hein, et qui vous, voilà, et qui vous font, on va dire, cogiter aussi, hein, voir la chose, la réalité en face. En tout cas, on voit les projets qui sont bel et bien là. Et on a bien des envies de partir. Hein. On retrouve notre montgolfière là, peut-être à l'étranger, en tout cas peut-être ailleurs, autre ville, autre département, autre région. Alors évidemment, on vous montre du doigt, on vous le reproche. Bon. Et regardez ça, c'est perçu comme un cadeau, donc c'est pas bien méchant. Vos projets, vos idées, le retour de quelqu'un, éventuellement, si vous êtes concerné, vous est reproché, mais pour vous, il est perçu comme un cadeau. Hein. Alors, un peu de retard. Bon, c'est normal, nous avions le 9 de carreau tout à l'heure. Alors, il y a un peu de retard.
Et sur du retard, vous allez voir qu'on va vous accuser de quelque chose. On va vous rendre... Alors, culpabilité, accusation. Visiblement, on va vous reprocher quelque chose. Peut-être le savez-vous déjà. Regardez, magnétique. Alors, on va vous reprocher de peut-être être très attiré par rapport à quelqu'un, qui explique que c'est peut-être pour vous ce retour de quelqu'un perçu comme un cadeau. Peut-être qu'on va vous reprocher d'être très accroché à votre projet, également perçu pour vous comme un cadeau. Et vous allez prendre de la distance de toute façon. On retrouve, hein, on l'avait tout à l'heure, hein, vous allez prendre beaucoup de distance par rapport à la famille. Alors c'est peut-être aussi la famille qui vous accuse et qui vous rend responsable de quelque chose par rapport à vos projets. Alors on voit qu'il peut y avoir pour certains le retour de quelqu'un qui était à mon sens parti. Ou vous avez peut-être des projets de partir. D'ailleurs, il y a un revirement de situation qui fait que du coup, ça vous fait cogiter. Vous cogitez, mais vous avez vraiment envie de repartir à zéro avec cette personne, peut-être voire même d'ailleurs à l'étranger, ailleurs, dans une autre ville, partir. On vous le reproche bien entendu, hein. Ça, évidemment, on vous le reproche, mais c'est vraiment perçu pour vous comme un cadeau. Donc, de toute façon, ça va prendre un petit peu de retard, parce que vous savez que de toute façon, on vous le reproche, on vous rend responsable, on essayera de vous culpabiliser aussi, bien entendu, mais vous êtes fortement attiré à cette personne, donc vous allez prendre de la distance par rapport à la famille. Peut-être que c'est la famille qui pose problème. Par rapport à un retour de situation, un retour d'événement, vous allez pouvoir vous élever. Vous rêvez de partir en voyage d'ailleurs, hein. Il y a un revirement de situation. Alors peut-être que vous cogitez par rapport au passé, par rapport à des choses répétitives qui ont eu lieu. Quoi qu'il en soit, vous remettez en place en tout cas un projet. Il est là, il est naissant, peut-être de partir, de vivre autre chose en tout cas. On vous le reproche bien entendu, ou bien c'est vous qui vous sentez coupable peut-être. Mais en attendant, votre projet est perçu comme un cadeau. Vous allez avoir vraiment une surprise, un cadeau, c'est beau. Et sur du retard, de toute façon, vous allez savoir qu'on vous rend responsable. On va vous accuser de quelque chose, mais bon, je pense que vous le savez déjà. Vous êtes fortement accroché à votre projet, vous y tenez. Vous allez donc, de ce fait, prendre de la distance par rapport à la famille. Bien, alors les amis, on va recouvrir accusation, culpabilité. Bien que je pense savoir ce qui va sortir, pour certains, vous avez peut-être envie de recréer une autre famille aussi et sans doute que ça vous est reproché. Alors, oui, c'est un, bah forcément, c'est un, on reproche votre... Bon, alors, sur la... d'essayer de vous rendre responsable, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé les amis. Et évidemment, ce qu'on vous accuse peut-être, c'est d'avoir retrouvé l'amour, pour certains. On vous accuse, c'est de vivre pleinement votre projet, sentimentalement, d'être fortement attaché et à quelqu'un et à votre projet. Bon, c'est pas bien méchant, tout ça, c'est votre vie, seul vous décidez. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, petit message pour notre mercredi 26 octobre. Vous découvrez des choses, vous découvrez qu'on vous observe, vous découvrez peut-être enfin quelque chose. Et on voit que vous voulez partir, hein. Il y a un départ, hein. Là, voilà, et vous êtes appuyé, hein, sur votre départ. C'est pas beau ça? Alors, vous découvrez des choses, évidemment, mais peut-être aussi que vous allez, de ce fait, en avoir les honneurs. Donc, tout va bien, les amis. Alors. Alors, nous avons la maladie. Ah, quelque chose qui coince. Alors, attention, lors d'une invitation, la table, c'est les invitations. Attention, lors d'une invitation, à ce qu'on ne vous fasse pas des cadeaux, on va dire, empoisonnés, que l'on ne vous fasse pas des compliments qui ne soient pas sincères. Maintenant, pour d'autres personnes, il y a effectivement un petit quelque chose qui ne va pas bien. On va voir un peu pourquoi. Bon, c'est la renommée. Alors, franchement, ce n'est pas bien grave. C'est simplement ce que vous dites, que vous faites, qu'on va essayer de comment on appelle ça, de vous descendre. On l'a vu, hein, voilà, de faire en chose...
en sorte, je vais y arriver, que les choses n'avancent pas. Ça peut être aussi un problème avec une personne âgée, hein, votre maman peut-être qui vous reproche. On a vu qu'il y avait un souci avec la famille. Hein. On a vu l'invitation, donc sur du retard. Sur du retard, regardez ça, la protection. Vous allez avoir des cadeaux et vous allez retrouver la paix. Très beau tirage. Alors même s'il y a un petit problème là, accident, maladie je veux dire, attention aussi qu'il n'y ait pas un problème de santé avec une maman. Mais il peut y avoir tout simplement la renommée, c'est ce que vous dites, vous, ce que vous représentez. On essaye peut-être de vous freiner, ou il y a un souci avec une maman. Et lors d'une invitation, sur du retard, il va peut-être y avoir une invitation, peut-être pour vous le dire, vous l'expliquer. Quoi qu'il en soit, regardez, vous avez la carte la plus forte et vous allez pouvoir retrouver la paix. Très joli tirage, les amis. Alors, on va finir avec un petit message de la boîte que j'ai oublié de sortir. Hop, voilà. Avec, pour cultiver l'estime de soi. Je m'offre des cadeaux comme je le ferais à une personne que j'aime. Le plus souvent, une culpabilité latente nous en empêche. Si nous trouvons acceptable d'honorer les autres, nous pensons vaniteux de nous honorer nous-mêmes. Rien de plus faux. L'amour se nourrit de gestes et d'attention, même celui que nous nous portons. Très beau message, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage pour ce mercredi 26 octobre vous a plu, vous a parlé ou vous parlera. Merci de me suivre, merci pour votre soutien, merci pour vos pouces, j'aime. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.